Глава 3. Воздаяние. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est... c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Собираем потихоньку ресурсы. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. И еще небольшое такое дополнение. Комментариев моих будет просто по минимуму. Здесь очень много закадрового общения героев. Я не хочу их прерывать. Да и в целом. Надеюсь на ваше понимание. О, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Эти простые бусы помогали верующим не запутаться при молитве. Популярность четок свидетельствует о крайней важности религии в обществе тех времен. Духовенство обещало верующим спасение души, обустраивало госпитали и дома призрения, и вело литургический календарь, по которому исчислялись не только церковные праздники, но и важнейшие даты земледельческого цикла. Кроме того, церковь контролировала появление ересей, могла наложить епитимию на богохульников и даже отлучить их церкви, фактически исключив их из общества. Слегка поболел я, поэтому, простите, может быть небольшой кашель и насморк. Ну, ничего страшного, обычное, я бы сказал, такое переохлаждение. Погода нестабильная. То тепло, то весна, то солнце, то дождь. Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui, il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands? Je ne pense pas, non. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil.
Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Гвоздики. Их еще называют цветами Господа. Некоторые считают, что это прозвище они получили из-за своей красоты, а другие вспоминают легенду, согласно которой гвоздики родились из кровоточащих ран Христа или слез Девы Марии. Потому этот цветок считается символом любви, веры и преданности. Липецкие гвоздики вызывают усиленное потоотделение, что помогает бороться с жаром, а гвоздичным уксусом натирали бубоны. Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous. Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais... Mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée. D'abord mis chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Morel, restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non. Oh, oh non ! La lumière ! La lumière ! Mon père, non ! Vite ! Oh.
Mais d'où ils viennent? Comment il peut y en avoir autant? Protégez-nous! Il y en a partout! La lumière! Ils ont peur de la lumière! C'est pas possible! C'est un cauchemar! On doit retourner dehors, Amicia! Je sais! Avance! Un moine. L'autre frère. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après. On trouvera bien. Je ne comprends pas comment il peut y en avoir autour du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Alors c'est ça leur fléau. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia! Les trois statues! La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Je vais t'aider. Oui. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. On ne fait plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Monte. D'accord. On va passer en même temps. Suis-moi. Oui. Ils font trop de bruit. Hugo, calme-toi. Мы разве что карман можем сделать. Потому как я... Веревок у нас нет для прощи. Помаль ду ту. Раз мы можем что-то сделать, мы это сделаем. Падра. Un autre jambon, ça devrait aller. Allez, viens. En bas, les trois saints. D'accord, soyons prudents.
on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber, pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah, ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Non. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. Très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, et il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûre? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Je me dépêche. Ah, Amicia, Amicia, Hugo, qu'est-ce qui se passe? Hugo, parle-moi. Allez, allez. Это может быть очень аморально, но ресурсы нам нужны. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Thank you.
terrible. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Je vais t'aider. D'accord. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors? Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs, ça brûle la gorge. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Ego. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Глава 4. Ученик. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi là-bas? Peut-être, je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'il nous trouve quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. И на этом я пока сделаю перерыв. Все прошлые серии. А точнее, как серии. Для вас, для Ютуба. Я разделю это отдельно на главы. Ну а так все это проходило одним блоком. Пора сделать небольшую паузу. Спасибо за просмотр. Всех обнял. До новых встреч.